Oh merde, ça commence. Putain, ça fait deux fois la gros fail. Salut les gars, c'est réception du jour pour une nouvelle vidéo réception, on va dire pour Noël. Je me suis fait encore un petit plaisir, j'ai eu un coup de cœur, les gens du groupe le savent. Donc mon colis il est là. Donc voilà, c'est pas très gros, c'est sûr qu'il y a une différence entre le colis des dernières fois. Je tiens à préciser tout d'abord que dans ce colis, qui sera le dernier, je sais que je l'ai dit plus d'une fois, mais voilà. Il y aura, comme vous voyez la veste ici, la même coupe, ça reprendra la même coupe de zip, donc de fermeture. Il y aura les mêmes couleurs que mon t-shirt de Project X. Et ça reprendra plusieurs trucs, plusieurs points que j'ai eus. Donc de toute façon, je vous le dirai pendant l'essayage. Mais en tout cas, c'est parti pour le Let's go! Donc déjà, je l'ai acheté sur la boutique officielle. Ça, faut que vous le sachiez. Je fais gagner un bon de 5%. La boutique officielle. Donc pour ceux qui en veulent, vous venez me dire en privé sur Facebook et je vous le donne. Je suis désolé pour les gars du groupe d'ailleurs parce que bah j'ai pas été en très bonne forme en ce moment. J'ai été on va dire gravement malade. Je pense que ça se voit même physiquement. J'ai perdu pas mal de poids et j'ai été quand même pas mal malade. Donc du coup bah j'ai pas pu être en forme sur le groupe non plus, à être toujours présent, etc. etc. Donc ça se présente comme ça. Donc je vous l'ai dit. Ça ressemble vraiment aux couleurs de Project X, on dirait même que c'est le même d'ailleurs. Donc ça va être de la marque, je sais même plus c'est de quelle marque. C'est Classic Series, ah oui, c'est Classic Series, donc c'est la première fois que j'achète sur cette marque-là. VIP Clothing, donc c'est la nouvelle collection 2014-2015 de Classic Series. Elle est sortie il y a 4 jours, je crois, sur la boutique officielle. Alors merci à Chronopost. Ils ont fait un envoi extrêmement rapide. Je l'ai commandé dimanche soir et je l'ai reçu mardi là. Et à 10h c'était prêt. Donc j'ai pu aller le chercher que cet après-midi. Mais à 10h c'était prêt. Donc vraiment merci. Je répète encore une nouvelle fois parce que ça devient vraiment relou. Les gens, si vous regardez les vidéos, je fais du S. C'est du S que je mets. Donc ne me demandez pas, je le dis à chaque vidéo. Donc si vous écoutez un petit peu, je mets du S tout le temps. À part, bon, écouter vraiment les vidéos, mais ça, c'est rare vraiment que je prenne pas du S. Voilà, une veste, donc j'avais besoin d'une veste, elle avait l'air plutôt classe. Puis j'ai eu un coup de cœur dessus, franchement, donc, on va voir ça tout de suite. Voilà comment ça se présente. Hop. Donc voilà. Donc vous pouvez voir qu'il y a une coupe assez originale, comme mon t-shirt blanc de Uniplay. Donc ça c'est le derrière, non c'est le devant, ça je sais même plus. Ouais c'est le devant, comme Uniplay. Donc voilà, avec les manches ici qui ressemblent un peu à mon sweat Just Way. Là la fermeture qui ressemble à mon, ah merde, à ma veste pareil de, je sais même plus c'est quelle marque ça. Je sais même plus c'est quel nom, je crois que c'est Goldenin. Donc voilà. Donc écoutez, on va essayer tout de suite, bah pour l'essayage, hein, on va essayer de se faire une petite tenue bien sympa avec, et puis on va voir. Donc je vous montre un petit peu comment c'est les détails. Hop. De toute façon, vous verrez mieux sur moi, parce que c'est vrai que là. Puis il y a une capuche un peu qui est à la mode, un peu à la Assassin's Creed, donc c'est plutôt pas mal. C'est sympa. C'est ce côté-là que j'ai bien aimé, c'est assez classe, mais tout en étant assez urbain. Donc voilà. Donc écoutez, on va essayer ça tout de suite. Donc voilà les gars, comment ça donne? Juste pour régler un petit truc aussi avant. C'est-à-dire que les gens, beaucoup de personnes me demandent de changer de qualité de vidéo. Il y a un petit problème, c'est que déjà d'une, j'ai pas de moyen de m'acheter
d'appareils photo, de trucs numériques pour avoir une bonne qualité. De deux, je préfère quand même m'acheter des fringues et vous faire des vidéos. Je suis désolé, ça vous convient depuis un an. Et de trois, j'ai pas pu aujourd'hui avec mon téléphone, j'ai voulu essayer, mais ça va trop être galère. Il va falloir faire un autre truc. En plus, j'ai pas assez d'espace sur le truc. Donc, à un moment donné, faut pas se prendre la tête. Et puis, la caméra, enfin, je sais pas, on voit quand même assez bien les fringues. Mais voilà, quoi. Bon, voilà. Alors, comment ça donne? Fermé, déjà. Donc, regardez où ça descend. Ça descend quand même jusqu'à là. C'est quand même pas mal. Ici, avec les manches. Donc, ça colle à la peau. Mais c'est pas non plus, voilà, il y a de la place. Là, autant que ça soit de la matière assez, je sais pas c'est quoi ça, comme c'est de synthétique, un truc comme ça. Ça colle pas à la peau, c'est bien, c'est propre. Derrière c'est pareil. Vous voyez derrière ça descend comme ça. Hop, et sur le côté, et la capuche un peu à la Assassin's Creed comme je vous avais dit. Voilà. Moi, je trouve que ça fait plutôt classe. Alors après, quand c'est ouvert, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux fermetures. Il y en a une en haut et une en bas qui permet de faire comment dire, l'ouverture finale du sweat. Du sweat de la veste. Excusez-moi, je suis un peu paumé. C'est ça qui est un petit peu galère, malheureusement. C'est que tout à l'heure, j'ai galéré, je ne sais pas comment j'ai fait pour l'ouvrir. Alors, j'espère que j'ai réussi en vidéo. Suspense. Suspense. Allez, voilà. Donc c'est un peu galère à retirer. Hop. Donc voilà comment ça donne en étant ouvert. Donc vous voyez que ça descend assez bas, la coupe est assez originale. Hop. Alors avec ça, moi ce que je mettrais. Alors apparemment ça c'est des vestes qui se mettent en ce moment. Ça c'est vraiment la grande mode. Donc écoutez, là c'était juste pour faire le tour et je vous retrouve tout de suite pour vous détailler ce qu'il y a dessus, la taille, etc., etc. Et puis pour faire un essayage avec des tenues. Donc voilà, on se retrouve. Donc je vais vous lire donc les détails du vêtement, tout simplement devant vous. C'est une veste zippée oversize, classique série BC054. Rouge et noir à 60 euros. Collection 2015, VIP Clothing, je vous l'ai dit, veste oversize, fermeture par zip, c'est ici. Deux fausses poches latérales. Donc, ouais, ils sont là. Je vois pas trop l'intérêt, ça, par contre, des fausses poches. Donc, la capuche, manche avec empiècement aspect cuir, modèle 1, 100% coton, et lavage en machine. Voilà, ça, c'est pour le détail du vêtement. Alors, avec ça, moi, ce que je rajoute, ces deux petites bagues, petite montre causée. Moi, perso, j'ai mis une Casio, bon, celle que vous savez, qui avait déjà fait la vidéo. Une petite, casquette. Moi, perso, c'est une Chicago Bulls. Voilà. Vous pouvez la mettre comme ça, comme vous voulez. Donc, voilà. Après, pour le bas, j'ai mis, excusez-moi pour le bruit. Personnellement, pour le bas, j'ai mis à ça avec mon sarouel blanc, mon sarouel noir et mes supras rouges. Donc voilà. Moi, je trouve ça quand même assez classe. Et puis, ça le fait, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est classe. Moi, je trouve que c'est classe. Alors, dites-moi si je peux mettre ça pour Noël. En tenue de Noël, est-ce que ça ferait bien? Est-ce que ça donnerait bien? Je sais pas trop. À vous de me le dire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolé, j'ai pas été tip top sur la vidéo. Mais je me permets quand même de vous la faire parce que, vous attendez souvent des vidéos sur ma chaîne. Et donc, voilà, j'essaie de vous faire plaisir un maximum. En tout cas, encore merci à tous ceux qui me suivent. J'ai eu beaucoup, beaucoup de très bons commentaires sur ma dernière vidéo. Puis voilà, écoutez, j'espère que vous continuerez à me suivre, et puis que la bonne humeur s'installera encore et encore et encore sur mon groupe. Et que voilà quoi, je vous retrouve en 2015.
de bonne humeur, en bonne santé, avec plein de jolis cadeaux, de nouveaux fringues, que vous soyez swag pour mettre vos photoshoots dans le groupe. Je suis vraiment désolé pour la vidéo, je sais que je l'ai complètement foirée, je m'en veux un petit peu, mais voilà quoi. Bon, moi je vous ai présenté le fringue comme il se doit, ce que j'en pense. Écoutez, c'est un bon vêtement, malgré que ça quand même, j'aurais préféré que ça soit un tout petit peu plus collé à la peau, que ça soit un peu plus chaud, parce que le vêtement est vraiment très très fin, que ça soit un peu mieux coupé, parce que regardez, il y a quand même une différence entre les deux là, je sais pas si vous voyez très bien, voilà. Que ce soit un peu plus ample, donc moins cintré. Et que voilà, sinon dans l'ensemble c'est un très très bon fringue. De toute façon je vous mettrai à la fin de la vidéo des petites photos comme ça pour vous montrer mieux les détails et pour vous montrer comment ça se porte et puis voilà quoi. Donc je vous dis à très bientôt les gars et puis portez-vous bien et prenez de bonnes résolutions, sortez couverts aussi parce que je sais que les fêtes de Noël il y en a beaucoup qui sortent et donc voilà, faites pas les cons, buvez pas trop, prenez pas le volant après être allé en boîte ou après avoir picolé. Donc voilà, donc très bonne fête de Noël et puis profitez bien les gars, allez, ciao, bye bye. Donc re-salut les gars, voilà, je vais vous montrer en vidéo un peu tout ce qui est là, au niveau de la couture, plus en détail pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà la fermeture qui descend jusqu'à là. Voilà, ça taille assez bas au niveau de l'avant-bras, les empiècements en cuir qui ne collent pas du tout, vous voyez. Vous pouvez voir un peu la texture au niveau d'ici, coton. Vous voyez qu'ici c'est pas du tout la même couleur. Derrière c'est complètement noir, mais vous l'avez vu dans la vidéo. Et la petite capuche et tout. Un peu à la Assassin's Creed. Voilà. Posez les gars. Donc joyeuses fêtes de Noël et profitez bien, encore une fois. Ciao et à 2015. Ooh.